Noël, c'est Dieu qui révèle à l'humanité son vrai visage d'humilité totale, de douceur totale, pour que les humains n'aient aucune crainte à son approche. Les devantures regorgent de cadeaux, elles ne disent peut-être pas grand-chose de lui, et les avenues illuminées non plus. Jésus risque d'être à Noël le grand oublié. Il sera dans les cœurs de ceux qui vivent ces béatitudes, les béatitudes dans leur sens originel. Et je vous raconte un petit événement. J'étais prêtre depuis 2-3 ans et j'étais à Bethléem. Et après avoir célébré la messe à 5h du matin, j'ai été me promener et je suis arrivé devant une grotte où vivait une petite famille. Et il y avait là un petit enfant de 2 ans qui est venu sur mes genoux. Et je me suis dit, tiens, à cet endroit-là, il y a près de 2000 ans, Dieu est venu sur notre terre avec le visage d'un petit enfant comme celui-là. J'étais tellement ému que je me suis mis à pleurer, mais ce n'était pas de tristesse, c'était de joie. Et la maman de cet enfant ne comprenait pas ce qui m'arrivait. Elle se disait, il faut que je le réconforte parce qu'il a l'air d'avoir énormément de chagrin. Et je ne pouvais pas lui expliquer parce que je ne parlais pas sa langue. C'était une Palestinienne. Nous savons que nous sommes sortis de la mort pour devenir des vivants parce que nous aimons nos frères. C'est là un texte de la Bible. Nous savons que l'amour est en nous. Nous savons que nous sommes vivants quand l'amour passe dans notre cœur. Nous sommes créés pour apprendre à aimer. C'est le sens même de notre vie. Et donc, il n'y aura qu'une seule question qui nous sera posée au moment où nous paraîtrons devant Dieu, c'est « Qui as-tu aimé ? Comment as-tu aimé ?» Alors peut-être on ne s'en est pas assez douté quand on était sur la terre, mais toute notre existence consiste à découvrir cette vérité-là. Qui as-tu aimé? Comment as-tu aimé? Et aimer, évidemment, ce n'est pas simple, c'est faire à l'autre de la place, c'est réconforter l'autre, c'est le soulager s'il souffre, c'est lui donner de la nourriture s'il a faim, c'est lui donner une consolation s'il est triste. C'est l'unique question qui nous est posée. Je me rappelle quand j'étais enfant, lorsque j'étais chez les Louveteaux, notre cheftaine nous disait « Une journée, si vous n'avez pas fait plaisir à quelqu'un, est une journée perdue. » Et nous étions alors heureux de faire ce qu'on appelait une bonne action, qui était tout simplement un acte de gentillesse, de solidarité, d'ouverture. Et donc je suis très heureux d'avoir eu cette éducation-là, parce que beaucoup ne la reçoivent pas et ne savent pas que l'essentiel de l'existence, c'est uniquement d'apprendre à aimer. Et aimer, ce n'est pas toujours ce qu'on imagine. Aimer n'est pas forcément être bien dans notre peau au contact de quelqu'un, c'est simplement que l'autre soit bien. Aimons-nous les uns les autres, l'amour vient de Dieu. Celui qui aime, celui-là est enfant de Dieu et il connaît Dieu. Voilà un texte de l'apôtre Saint Jean. Celui qui n'aime pas ne sait pas qui est Dieu, puisque Dieu est amour. Oui, généralement, on risque de ne pas savoir tout à fait ce que aimer veut dire. Si on croit que aimer,
c'est profiter de l'autre, c'est recevoir de lui une satisfaction. On se trompe. C'est en sens inverse. Aimer, c'est qu'est-ce que tu fais pour que l'autre soit plus vivant, pour que l'autre soit en sécurité, pour que l'autre soit accueilli. C'est pas facile. L'amour du prochain n'est pas simple, n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose que Dieu met là sous notre nez et puis il n'y a qu'à le faire, c'est tout simple. Non. Autre histoire, une belle histoire. Je ne vais pas vous raconter les moments ratés de ma vie, je vous raconte ce qui réussit. Je suis prêtre depuis 2 ans et j'habite à Gambé. Vous voyez où c'est là où était Landru. Et je célèbre la messe de minuit. Et après la messe de minuit, je devais aller chez un paroissien qui m'avait invité pour le réveillon chez lui. Et donc j'étais tout content d'aller chez Monsieur Vassou. Et à la sortie de la messe de minuit, 2 jeunes filles viennent me saluer. J'en connaissais une qui était de la paroisse, l'autre était sa sœur, je ne l'avais jamais vue. Je leur dis, où réveillez-vous, réveillonnez-vous ce soir? Et elles me disent, mais on ne réveillonne pas, on va se coucher. Alors je leur dis, écoutez, je suis invité à dîner, je vous invite avec moi. Une histoire de fou, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça m'a traversé l'esprit comme ça. Je me disais, c'est Noël, moi je vais fêter Noël et elles ne vont pas le fêter. C'est pas normal, je les emmène. Je viens tout tremblant, avec les genoux qui se cognaient, tellement j'étais intimidé. Monsieur Vassou et sa femme m'ont reçu comme un prince. Ils ont accueilli ces 2 jeunes filles comme jamais j'aurais imaginé. Elles ont eu chacune un cadeau. Ils les ont gardées pendant des heures, alors que moi je suis rentré parce que j'avais des messes le lendemain matin. Lui, M. Vassou, m'a téléphoné le lendemain. Il m'a dit en pleurant, c'est le plus beau Noël de ma vie, parce que Noël, c'est accueillir l'autre. Et il a quitté son métier et il est devenu, artisan, au Secours catholique. C'est devenu sa nouvelle profession. Ça a changé sa vie. Moi, je trouve que cette histoire, c'est un vrai conte de fées. Et je ne sais pas, vous, comment vous allez vivre votre Noël, mais c'est un moment important de notre existence. Ça nous marque parce que c'est le moment où Dieu se dit « Je vais rejoindre l'humanité ». Il y avait ce cri d'un prophète, du prophète Isaïe. « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Je trouve que cette parole, elle pourrait être mise en exergue de toutes les salles où on célèbre Noël, toutes les églises où on célèbre Noël. « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Voilà Dieu qui va se faire proche, parce que Dieu c'est intimidant, Dieu c'est, ça peut provoquer de la panique. Les premières fois où Dieu est intervenu dans l'humanité, c'était sur le Sinaï, et là ça faisait du bruit. C'était comme ça pour la sensibilité de cette époque-là. Ensuite, Dieu s'est adapté à l'humanité et il est venu plutôt sous une forme extrêmement délicate. Il a compris qu'on était des êtres fragiles et qu'on avait besoin d'être pris au niveau où nous sommes. Lorsque Jean-Paul Sartre décrit Dieu, lorsqu'il écrit ce qu'il pense de Dieu, il le voit comme Zeus, le dieu des Grecs. Or, je ne sais pas si vous avez étudié un peu la mythologie des Grecs. Ma première image de Dieu, je pourrais dire, ça a été Jupiter, Zeus.
Alors, attention à la catéchèse. Faisons attention, montrons bien que Dieu est infiniment tendre. Je me rappelle cette petite fille au catéchisme à qui j'avais demandé qui est Dieu. J'avais demandé aux enfants de me l'écrire et elle avait écrit: Dieu, c'est un papa qui aime comme une maman. Je trouvais que c'était une des plus belles définitions de Dieu qu'on ait jamais écrit, qu'on ait jamais trouvé. Donc, il y a une première question, c'est un chemin d'avant. Que proposez-vous? L'avant consiste à préparer notre cœur. Préparer notre cœur pour que la rencontre soit possible. Dans le livre Le Petit Prince, il y a le renard qui dit au petit prince: Je viendrai te voir et tu te prépareras pour la rencontre. Je crois que toute rencontre nécessite de notre part une ouverture, une capacité à accueillir. On ne peut pas rencontrer comme ça sans s'habiller le cœur, comme dit Saint-Exupéry. Et donc, l'avant, c'est la période où on va se rendre apte à découvrir quelle est la nouvelle qui nous est offerte. J'ai vécu beaucoup de Noël dans ma vie. Chacun de ces Noëls était l'occasion d'ouvrir son cœur. Dieu, qui es-tu? Que me veux-tu? Qu'attends-tu de moi? Je crois que c'est quelque chose qu'on peut comprendre, mais qu'on ne comprend que d'une manière un peu intériorisée. Dans toute amitié, il y a une première rencontre. Est-ce qu'on est prêt à accueillir l'autre tel qu'il est? Ou est-ce qu'on va avoir un jugement qui le condamne en quelque sorte? Ça nous arrive, ça, de rencontrer des personnes et pour la première fois, on a une fausse idée. Mettons, il a un tic, ou il a une tête qui ne nous revient pas, il ressemble à quelqu'un qui nous a fait du tort. Je crois que Noël, c'est Dieu vient dans ta vie. Quelle place vas-tu lui faire? Est-ce qu'il n'a pas quelque chose à attendre de toi? Si oui, es-tu prêt à répondre? Voilà, c'est un peu ça. Noël, Dieu qui fait toc-toc à la porte de notre cœur, est-ce qu'on ouvre ou est-ce qu'on n'ouvre pas? Dans je ne sais plus quelle pièce, Dieu dit. Non, quelqu'un dit à Dieu, c'est dans Dostoïevski, dans Les Frères Karamazov: Pourquoi es-tu venu nous déranger? Voilà, un être humain qui dit ça à Dieu. Pourquoi es-tu venu nous déranger? Et c'est vrai que Dieu vient nous déranger. Il vient nous dire, ne vis pas pour toi seul, vis pour les autres. Vie pour aimer, vie pour accueillir. Donc, voilà, la proposition nous est faite. Dieu nous dérange, oui. Dieu veut pas qu'on reste dans notre petit moi, bien au chaud, bien tranquille. Non. Il nous dit, je t'ai créé pour apprendre à aimer. Aimer, c'est être dérangé. Voilà, ça me paraît très clair. Peut-être même ce que j'ai dit tout de suite, je ne l'ai jamais dit avec ces mots-là. C'est grâce à votre accueil. Donc, dans ta longue carrière, tu as fait beaucoup de choses pour les jeunes.
Et comment tu sens l'évolution de la jeunesse par rapport au message chrétien aujourd'hui ? Alors, la génération actuelle, il y a de tout. Il y en a qui sont merveilleux. Là, il y a des jeunes hier qui m'ont fait un message et qui m'ont dit « Stan, est-ce que tu peux nous aider ? On voudrait faire quelque chose qui serve à l'avenir du monde. On voudrait lancer une aide pour le monde entier. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Qu'est-ce que tu nous suggères ?» Ben, le garçon qui me clique ça, il a 20 ans. Ben, je me dis, tiens, belle initiative. Et puis alors, j'ai eu la chance d'être invité aux îles Marquises. Alors aux îles Marquises, on invite les jeunes pour une retraite de 3 jours avec l'abbé Rougier. Quelle proportion ils sont, à votre avis ? Ils sont quoi ? Si je les invite en Seine-et-Oise, ils sont 1%. Là, aux Marquises, ils sont combien ? 100%. Ils sont tous venus. Tous venus. Presque la même chose à l'île Maurice. À l'île Maurice, c'était à peu près 10% de la jeunesse qui venait. Alors là, j'ai fait un effet bœuf chez eux parce que premier contact avec eux, et ils me disent... Père Rougier, il paraît que vous chantez des chansons mauriciennes. Allez-y, alors j'y vais. Tantôt te connais, tantôt, tantôt te connais, tantôt, tantôt te connais, tantôt, tantôt d'Ogiro, janana. Noa, 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 maman, guette, comment faire noir ? Dis-moi, viens, conduis-moi, mi guette, de haut, comment faire noir ? Je connaissais par cœur plein de chansons de l'île Maurice. Alors là, je me dis, comme premier contact, ça fait de l'effet, quoi. Ils disent, ce prêtre, il est des nôtres, là, il connaît nos chansons. Et pourquoi, moi, je connaissais ces chansons ? Ben, parce que j'avais eu la rencontre d'un jeune Mauricien, quand j'avais 20 ans, il était venu à Saint-Jean-de-Luz, on avait fait des balades ensemble, et il m'avait appris 5 ou 6 chansons mauriciennes. Donc, les choses se tiennent dans la vie. Une rencontre en occasionne une autre. Voilà, on peut dire en tout cas, pour répondre à vos questions, que la rencontre des jeunes a fasciné toute ma vie. Tous les bouquins que j'ai écrits, c'est là-dessus. Aime et tu vivras, c'est là-dessus. Au commencement était l'amour, c'est là-dessus. Les rendez-vous de Dieu, c'est là-dessus. Que peut-on dire aux jeunes, c'est là-dessus, aux hommes, c'est là-dessus, etc. Presque tout ce que j'ai écrit, c'était une littérature en vue de rejoindre le cœur des jeunes. Mais comme on est jeune jusqu'à 80 ans, c'est pour tout le monde. En début de votre conférence, vous avez dit que Noël, pour vous, c'était la victoire sur la mort. Alors d'habitude, on pense plutôt que c'est la croix et Pâques qui sont la victoire sur la mort. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus pourquoi vous dites ça et comment pour vous Noël est la victoire sur la mort ? Si nous n'avons pas la foi en Dieu, un Dieu de vie, un Dieu qui nous a créés pour que nous partagions sa joie éternellement, qu'est-ce que nous dit les faits ? Les faits, c'est la mort existe. Et même les gens les plus intelligents ont un mal fou à croire que Dieu est venu sur terre et que Dieu nous propose l'éternité. Je vois, j'ai eu des conversations qui me disaient « Quand je vous écoute, j'ai envie d'être éternel. » Mais je n'en ai pas la conviction, j'en ai simplement le désir. Et effectivement, disons que c'est un cadeau qui s'appelle la foi, on entre dans ce cadeau ou pas. Moi, j'ai pas trop de difficultés à croire que Dieu nous a créés pour être éternels, mais il faut reconnaître que les événements m'ont aidé
une série d'événements qui ont été des moments forts de ma vie qui ne seraient pas arrivés si Dieu n'était pas là. Donc, Dieu nous fait signe. Est-ce que nous captons ces signes ou est-ce que nous les laissons de côté? Si vous êtes venu ici, là, aujourd'hui, peut-être que Dieu vous a fait de temps en temps des petits clins d'œil. Alors qu'est-ce qui freine? Je ne sais pas. Peut-être que c'est normal qu'il y ait de notre part une difficulté. Mais Dieu a envie de notre part qu'il y ait une sorte de désir. J'ai envie que tu existes. Et puis il y a toute cette histoire de la révélation qui est quand même importante. Là, les prophètes, la venue de Jésus sur terre quand même. C'est pas rien cette histoire-là. Peut-être on l'a déformée. Peut-être la manière dont on présente la venue de Jésus ne fait pas envie. Je faisais très très attention au catéchisme, que les enfants partent contents de ce qu'ils venaient de vivre. Chic, on a été au caté. Ah, quel bonheur le caté! Alors je me rappelle une fois, on avait célébré l'anniversaire d'un des enfants, et il y a une dame qui s'amène à la fin de la séance de caté, en emmenant son enfant d'une manière vigoureuse. « J'envoie pas mon enfant au caté pour qu'il mange un gâteau !» C'était aberrant. Nous, on faisait la fête, c'était la joie. On célébrait un anniversaire. Non, c'est pas facile. Hein. Je me rappelle avoir grondé une jeune fille dans un camp parce que je l'avais trouvée en train de flirter. Elle avait 15 ans. Et je me disais, si on apprend ça, on n'enverra plus sa fille au camp. On dira les camps de l'Abbé Rougier, les filles flirtent. Et donc je l'avais grondée pendant les 2 heures qui nous séparaient du petit village jusqu'au chalet où on était. Et elle se taisait pendant ces 2 heures-là. Et à la fin, elle me dit, je peux te dire quelques mots? Oh oui, il serait temps que tu parles. Jésus, c'est comme ça qu'il a parlé à la femme adultère? Je crois que j'ai pris la plus belle leçon de catéchisme que j'ai eue de ma vie. Une gifle. Alors, je racontais ça un jour à une émission de télévision. Alors le gars qui interviewait dit « Mais enfin, il faut quand même avoir une exigence !» Oui, mais ça dépend comment. Il faut beaucoup de douceur, il faut beaucoup de souplesse, il faut beaucoup de tendresse. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'avenir est à la tendresse ». Je ne l'aurais pas écrit si je n'avais pas vécu ça. Donc Noël, quel Dieu vient? Quel est le Dieu qui vient? Alors là, je vous jure, le Noël qu'on a célébré à Bobo Dioulasso, le petit bébé de 6 mois noir qui représentait Jésus-Christ, il était attendrissant. On disait, Dieu qui vient comme ça, ah, quelle merveille! Il ne peut pas être plus délicat, plus doux. Moi, je crois que Dieu s'est montré à l'humanité d'une manière qui correspondait à la sensibilité humaine. S'il était venu du temps d'Abraham comme il était au moment de Jésus, on ne l'aurait pas accueilli. Donc il s'est adapté. Dieu ne parle pas aujourd'hui à travers le pape François comme il parlait du temps de Pie XII. J'ai connu le pape François, moi, quand il était évêque de Buenos Aires. J'ai passé une journée chez lui quand il était seulement évêque. Et évidemment, je ne me doutais pas qu'il serait pape un jour, sinon je serais resté chez lui en lui disant « Je vais vous interviewer pendant un mois » et je vais faire un bouquin sensationnel,
parce que je sens que vous êtes appelé à de hautes responsabilités. Mais j'étais bouleversé de voir comment était cet homme-là, l'évêque de Buenos Aires, cette ouverture, cette gentillesse, comment il me parlait d'un prêtre ami qui était prêtre dans la banlieue, la délicatesse qui était la sienne. C'est tout juste si je me disais pas « Ah, si on pouvait avoir un pape comme ça !» Et alors à côté, vous avez des gens qui râlent, ils le trouvent trop complaisant, et il y a les disciples de Monseigneur Lefebvre qui frappent violemment sur la table et qui disent « Le pape actuel est un mauvais pape, quoi, c'est un schismatique. » Ouh, aïe, aïe. Alors, Monseigneur Lefebvre, moi, je l'ai rencontré à Assise, au moment où il y avait la rencontre d'Assise, qui a été un grand moment. C'est le moment où Jean-Paul II rassemblait les responsables de toutes les religions. Et il y avait Monseigneur Lefebvre qui distribuait un tract. Alors, le tract, c'était Jean-Paul II qui arrive au paradis. Et Jésus lui disait, il n'y a qu'une religion ici, et toi tu es le pape de l'œcuménisme. Alors ça va pas, tu n'as pas le droit de rentrer. Alors dans le dessin, il y a Satan en dessous, là, un petit diablotin, tout noir, avec des cornes et une fourche. Viens chez nous, tu es des nôtres. Et il distribuait ce tract-là. Je me dis, où est la tendresse là-dedans ? Où est la bonté? Où est l'amour? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Moi, là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de Dieu. Qu'est-ce qui aide à l'intériorité? Ça, c'est capital, votre question. Qu'est-ce qui aide à la vie intérieure? Qu'est-ce qui fait découvrir l'intériorité? Il peut y avoir des lectures. À l'heure actuelle, par exemple, moi, je conseille volontiers un monsieur chinois qui s'appelle Cheng. Tout ce qu'il écrit est un éveil de l'intériorité. Et il le fait avec beaucoup d'à-propos et beaucoup de sagesse. Saint-Exupéry est un auteur qui éveille l'intériorité. Qui peut y avoir encore ? Il y a un certain nombre d'auteurs. François Mauriac, Jean Guiton. Enfin, il y a plusieurs auteurs qui sont des éveilleurs de vie intérieure. Moi, ça a été Saint-Exupéry. Lorsque je pars au service militaire, mon aumônier scout m'offre Citadelle de Saint-Exupéry. Pendant un an et demi, je n'ai qu'une lecture, celle-là. Eh bien, c'est un texte qui m'a donné la foi. Donc, j'ai envie de dire, bravo la lecture. Alors, on n'est pas sensible aux mêmes auteurs. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, on m'a passé Citadelle, j'ai lu 4 pages et le livre m'est tombé des mains. Alors, c'est de la chance si moi, il ne m'est pas tombé des mains. Mais peut-être c'est parce que j'avais que ça. Il y a un livre que j'aime beaucoup, malheureusement, je ne l'ai pas amené là et je le regrette. C'est un livre où il y a le portrait de 50 personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont ébloui, qui m'ont fasciné. Parce que je crois que sur Terre, un des plus beaux cadeaux qui nous est fait, c'est la rencontre humaine. C'est de rencontrer des personnes qui éveillent en nous ce que le renard a éveillé chez le petit prince. Chacun de nous a une âme, mais cette âme, pour s'éveiller, a besoin d'une rencontre. Et c'est la rencontre qui fait le choc, et qui fait qu'on a envie d'aller plus loin, d'en savoir plus. Et moi, ça a été... je ne vous ai pas tout dit, finalement. Il y a eu un grand événement dans ma vie. Dans le scoutisme... Pour passer une épreuve qui s'appelait la deuxième classe, il fallait faire le résumé de la vie d'un saint. Quelle bonne idée ! Aujourd'hui, au scoutisme, vous ne trouvez plus ça, hélas. Donc,
Je dis à une tante qui était religieuse, « Ma chère tante, il faut que je fasse la vie d'un saint, j'en connais aucun. Peux-tu m'aiguiller ?» Retour de la poste, elle m'envoie un livre, « Vie du père Damien de Woester », un prêtre qui avait été chez les lépreux. Et me voilà, petit garçon de 14 ans, qui fait le résumé de la vie du père Damien. Mais c'était un choc formidable. Alors je ne savais pas que c'était au sacerdoce que je serais appelé, mais je me disais, après avoir lu ce livre, je m'occuperai de gens qui sont ou lépreux ou analogues à lépreux. Et ça a été les délinquants. Mais il faut qu'il y ait un craquement d'allumettes, si vous voulez. Et le craquement d'allumettes a été ce livre. Et je crois que si chacun de nous peut craquer une allumette dans la vie d'un adolescent, il peut changer complètement sa vie. Les âmes s'allument aux âmes. C'est pas moi qui ai écrit ça, je ne sais pas qui c'est. Mais si vous cliquez sur Internet, vous saurez, c'est pas n'importe qui. Les âmes s'allument aux âmes. Voilà. Comment tu brûles, c'est comme ça que tu vas rejoindre l'autre. Évidemment, tu peux aussi l'allumer dans le sens de la méchanceté. Hein. Hélas, à l'heure actuelle, je vous donne pas de nom, mais vous saurez qui c'est. Il y a des gens qui allument la vengeance, qui allument la haine. Si tu es, tu vivras. Ça, c'est dingue. Tandis que là, un type comme Baden-Powell, c'est dingue, là, qui c'est ce type-là ? C'est un officier de l'armée anglaise. Mais il a répété à la jeunesse, « Si tu n'aimes pas, ta journée est perdue. Si tu n'as pas une bonne action, ta journée est foutue. » Oh là là ! Le scoutisme, c'est pas rien comme histoire. Si vous saviez comme on était nombreux au rassemblement de 1947 dans une boucle de la Seine, et moi j'y vais. Comment j'y vais ? Ben parce que le chef nous dit, vous pouvez y aller en étant interprète d'une délégation. Alors moi je me dis, oulala, je parle un peu l'anglais, moi, je vais essayer. Alors j'essaye avec l'anglais, on me donne la délégation de Birmanie. Et moi je me dis, oulala, comment peut-on être birman ? Et je découvre des gens qui sont bouddhistes. Je m'intéresse au bouddhisme. Qu'est-ce que c'est le bouddhisme ? Ah, ils sont privés du Dieu de Jésus-Christ. Ah, mais c'est dommage, ça. Comment on pourrait faire pour faire découvrir ? Tout ça s'enchaîne, si vous voulez. Voilà. La vie, c'est... Saurais-tu passer ? Il y a des jeux comme ça où on se passe quelque chose. Alors là, on se passe un trésor. Voilà, il y en a peut-être ce soir, là, qui vont se dire, tiens, il faut que j'offre à ma filleule, un livre de Stan Rougier. Mais sans blague, c'est vrai. Mais c'est vrai.